une Gatsby de sorcier avec l'invité, le prophète Joël, qui nous rejoint tout de suite et maintenant. Bonjour, prophète. Bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Merci. Prophète Joël Crasso. Je le disais à l'instant, on vous appelle très affectueusement le Maréchal de la paix et de la puissance. C'est un gars reconnu dans le monde qui fait la traite de la matraquasse. De la sorcellerie, qui est le mal criminel de l'Afrique, si vous voulez. L'Afrique manque de développement à cause d'une présence de la sorcellerie, que les Occidentaux ont combattu au Moyen-Âge. Les Occidentaux ont combattu au Moyen-Âge, ça veut dire 13, 4, 13, 14, 15, 16, jusqu'au 18e siècle, ils ont connu le siècle qu'on appelle le siècle de la révolution industrielle. Aujourd'hui, l'Afrique a une présence de la sorcellerie. Moi, je crois en Jésus, et je pense que c'est sur cette base-là que les Occidentaux n'est-ce pas indiquer la sorcellerie, parce qu'il y a deux mondes. Il y a le monde spirituel, comme le monde après le monde invisible. Il faut que le monde visible, invisible, n'est-ce pas se soumettre au monde visible. Il y a une force de mal, qu'on veut ou pas. Il y a l'échec. L'échec, c'est la force spirituelle avant d'être visible. Qu'on veut ou pas, il y a d'abord un monde spirituel. Et nous avons Jésus-Christ qui nous donne le pouvoir en son nom, n'est-ce pas, de marcher sur les scorpions, les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Luc 10, verset 19. Et donc nous autres, nous avons compris que si la tribu s'est développée, a commencé déjà à mettre à plat le monde de la société. D'accord. Le prophète a rejoint les nations qui nous donne rendez-vous à toutes les opportunités. Déjà le vendredi prochain. Oui, le vendredi prochain, je prends l'espace de donner, je pense pas loin de Et maintenant, on a aussi une conférence de presse, donc j'invite tout le monde à cette conférence de presse, oubliez à toute la presse de Canada. C'est le mardi, mardi 18 côté de on aura l'occasion de vous faire une invitation. Mais n'oubliez pas que ce groupe de façon aussi, c'est le concepteur, c'est le nom, celui qui a concepté, a lancé nos obligations. D'accord. Alors, justement, on va en reparler, puisque vous avez proposé, ce dont je vous dis, un prophète qui décide de faire de la musique à la gloire de l'Éternel, mais en soutenant. Qu'est-ce qui vous a amené à ce que je suis bêté. Non, mais le Zoulou, il est d'abord bêté. Oui. Parce que là, tout le monde a la perdu, on a la voix. Oui. Voilà. Parce que le Zoulou, c'est comme que les gens ont pugé ça à l'université. Ils ont pugé ça à l'université, tout ça. Mais oui. D'abord, le Zoulou, il est d'abord de chez nous. Oui. Il a bien passé parce que nous, il est bêté. Mais en pleurant, il chante. D'accord. Vous qui savez pas. Donc, Ayo, même quand un événement malheureux, oui. C'est Ayo, un événement malheureux, c'est Ayo, chez nous, oui. On nous appelle les Congolais, on a pas du tout. Formidable. C'est un annonce.